Chers amis, bonjour. Les chiffres, bien sûr, les chiffres, toujours les chiffres. On peut leur faire dire ce qu'on veut, mais à la première lecture, froidement, parfois, ils ont un sens premier. Nous n'avons jamais terminé un match à l'extérieur depuis le début de la saison sans marquer au moins une fois. Les Bordelais, eux, ont déjà reçu 5 équipes à domicile et n'ont jamais encaissé de but à ces 5 occasions-là. Alors après, il y a le contexte qui est plus proche de nous. Nous restons sur une victoire à Saint-Étienne 1-0, la première victoire à l'extérieur et le premier clean sheet. Les Bordelais, eux, en revanche, il leur est tombé la mer et les poissons sur la tête à Monaco, 4-0. Alors, bien sûr, nous voici dans une configuration d'avant-match qui ressemble à peu de choses près quand même à cette configuration d'avant-match d'il y a 8 jours. Nous nous en sommes bien sortis à Saint-Étienne et sans pouvoir dire que tous les feux sont au vert, je pense quand même que certains nous autorisent un relatif optimisme pour ce déplacement à Bordeaux. Déplacement à l'occasion duquel, dans le groupe, revient TJ Savanier, mais à l'occasion duquel Michel Derzakarian, on y reviendra, aura l'occasion, bien sûr, de faire confiance à nouveau à ceux qui ont si bien joué à Geoffroy Guichard. Alors TJ Savanier revient, comme Arnaud Souquet, Mihailo Ristić est dans le groupe, TJ Savanier qui, une fois encore, sera donc en concurrence avec Florent Mollet, qui était en conférence de presse avant ce match. Et Florent nous en a parlé d'ailleurs, de ce binôme, si l'on peut dire, Savanier-Mollet. Non, après, voilà, j'ai pris un rouge à Rennes. Assez sévère, mais je pense justifié quand même, il faut être objectif. Voilà, TJ, le coach a décidé de mettre TJ dans ma position, mais en toute objectivité, TJ a fait un gros début de saison, j'ai rien à dire là-dessus. Il faut savoir accepter les choses et les choix du coach. Mais je pense qu'on peut très bien évoluer ensemble et être encore plus performant quand on est les deux sur le terrain. Mais je l'ai vécu de façon positive. Après, je me suis dit qu'à chaque entrée, il fallait que j'apporte un truc en plus à l'équipe et que si je peux être décisif, il fallait que je le sois. Mais il n'y a pas de concurrence négative entre moi et TJ, il n'y en a jamais eu. Je pense que TJ, c'est quelqu'un dans le vestiaire qui est vraiment c'est une personne extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui va mettre son ego de côté quand il faut. Moi aussi, je le mets quand il faut. On s'est jamais pris plus le bec que ça, et ça c'est les faits, c'est la réalité. Donc il n'y a pas de concurrence, ça c'est les gens qui instaurent ça sur les réseaux, dans les médias, mais nous on n'y fait pas attention, on est là pour aider l'équipe, et on aime jouer ensemble, et après ça reste les choix du coach, mais je pense qu'il ne faut pas mettre en place une concurrence ou quelque chose comme ça. C'est sûr que il a joué à mon poste, donc forcément, entre guillemets, il y a une petite concurrence, mais elle est saine et je pense que c'est ça qui nous fera aller le plus loin possible sur cette saison. Alors maintenant, le match contre Bordeaux, Michel Derzakarian, qui a succédé à Florent Mollet ici, à ce pupitre, n'a pas manqué l'occasion, bien sûr, tout prudent qu'il est par nature, de dire qu'il va falloir se méfier. De la réaction de cette équipe bordelaise, je vous le disais, difficile à manier à domicile, mais encore une fois, dans un contexte de huis clos qui pourrait bien favoriser l'équipe qui vient plutôt que celle qui reçoit. Il se méfie, bien sûr, de la réaction bordelaise. On ne prend pas 4 buts impunément comme ça. Et Jean-Louis Gasset, que je ne présente à personne, saura motiver ses troupes. Quant à Michel Derzakarian, il compte légitimement que dans la foulée de la victoire à Saint-Étienne, eh bien, ma foi, pourquoi pas la passe de 2. Bah, tous les matchs, on doit les jouer pour de la même manière pour pouvoir gagner les matchs. Voilà, il faut avoir l'état d'esprit collectif qu'on y a mis. On sait que ça va être un match difficile. C'est une équipe qui vient de prendre un 4-0 comme nous il y a la semaine dernière, il y a 15 jours. Voilà, et ils ont dû se faire bouger. On a vu la conf de Jean-Louis après le match. On sait que ça va être un match difficile contre une équipe qui est difficile à manœuvrer à domicile, parce qu'ils ont fait 5 matchs, ils ont pris 0 but. Voilà, ça va pas être un match tranquille à nous de bien l'aborder et de mettre la bonne agressivité qu'il faut, la bonne utilisation du ballon qu'il faut pour pouvoir leur poser des problèmes.
Non, mais il y aura une grande majorité de continuité dans, avec les joueurs qui ont participé à la victoire à Saint-Étienne. À eux de garder le rythme qu'ils ont et la qualité qu'ils ont mis dans le jeu. C'est ce qu'on attend tous les jours et tous les matchs des joueurs. Allez, ce sera donc le 10e obstacle de la saison, la 10e journée de ce championnat de Ligue 1, avec peut-être à la clé un deuxième clean sheet, une deuxième victoire à l'extérieur, nous l'appelons de nos voeux, et ma foi, rien ne nous interdit de l'espérer avant le coup d'envoi de cette partie. Ce sera samedi à 17h et à suivre bien entendu ensemble sur le Facebook Live du MHSC.